Bonjour à toutes et à tous. Si comme moi vous aimez utiliser l'aléatoire sur Unity, vous vous retrouvez probablement très souvent dans une situation comme celle-là. Vous avez une valeur minimale, une valeur maximale dans deux variables séparées, ou une si vous avez opté pour un vecteur 2, et vous utilisez ensuite random.range pour générer une valeur entre les deux. Bref, quelque chose de simple et efficace. Ici, on n'a que deux valeurs, donc on s'en sort plutôt facilement. Cependant, si on souhaite rendre aléatoire de nombreux paramètres, eh bien il y aura non pas une variable par paramètre, mais bien deux, vu que nous avons besoin d'une valeur minimale et d'une valeur maximale. Cela fait donc beaucoup de variables et un inspecteur potentiellement surchargé. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter une petite extension très facile à installer sur Unity qui va nous permettre de créer des sliders comme vous en avez sur le petit exemple ici. On va pouvoir définir sur la gauche une valeur minimale et sur la droite une valeur maximale dans un rayon qu'on va pouvoir définir nous-mêmes. Et on pourra donc dire adieu à nos deux variables au profit d'une seule dans l'inspector avec un visuel et un slider qui seront beaucoup plus agréables et intuitifs. Pour installer ce package, le plus simple selon moi ce n'est même pas de suivre les installations mais directement de télécharger le package Unity Package qu'on a juste ici. On peut cliquer dessus. On va avoir la possibilité de le télécharger directement ici sur la droite. On n'a pas besoin du repo complet, c'est pour ça que je télécharge uniquement le package. Une fois téléchargé, on peut cliquer dessus. Unity va alors prendre le relais et on peut faire import. Ça nous évite de passer par le package manager, d'avoir git installé, etc. Avec le Unity package, c'est toujours beaucoup plus simple. Tous les éléments nécessaires ont donc été importés dans un dossier simple min max slider et on va maintenant pouvoir l'utiliser. Je vais me rendre dans mon script random script que j'ai créé et qui est tout simple. On retrouve donc les deux variables dont je vous parlais, une valeur minimale et maximale sous forme de float. Et dans la void update, à chaque fois que j'appuie sur espace, on va générer une valeur aléatoire entre les deux. Pour pouvoir utiliser cette petite extension, on va utiliser un import là-haut. On va utiliser using slider. Et il va falloir qu'on change le type, on ne va pas pouvoir utiliser float directement. Donc on peut effacer ça, je vais créer une nouvelle variable que je vais mettre en serialized field en privé, et qui va être de type vector2, à condition qu'on souhaite générer une valeur float, donc un nombre à virgule. Et si vous souhaitez générer une valeur aléatoire mais seulement des nombres entiers, vous pouvez utiliser vector2 int avec, si je ne me trompe pas, un i majuscule. Dans notre cas pour cet exemple, on va générer une valeur à virgule. Je vais donner un nom à cette variable, random range par exemple. Il va falloir qu'on lui applique un attribut pour pouvoir utiliser donc ce fameux min max slider. Cet attribut porte le même nom, min max slider et entre parenthèses, on peut voir qu'on a différentes propriétés à remplir, les deux principales étant la valeur minimale et la valeur maximale qui vont être autorisées depuis l'inspecteur. Donc par exemple, ici si je mets 0 100 dans l'inspecteur, on me proposera de choisir une échelle entre 0 et 100. Donc ça peut être 0 et 100, ça peut être 20, 100, ça peut être 50, 80, etc. Ça veut simplement dire que le nombre minimal sera dans cette échelle et le nombre maximal aussi. Et maintenant, dans mon debug, je vais simplement pouvoir dire que la valeur minimale, ce sera randomrange.x, vu que c'est un vecteur, on a un x et un y, et randomrange.y. Je peux sauvegarder. Je vais revenir sur Unity. On voit apparaître sur la droite maintenant cette fameuse petite échelle qu'on va pouvoir diminuer et augmenter. La valeur minimale étant 0, la maximale étant 100. Et je peux donc maintenant définir mon échelle. Par exemple, je peux dire que je veux une valeur entre 0 et 100, donc avec le, la configuration vraiment par défaut. J'ai appuyé sur Play. Et si j'appuie sur la barre espace, j'ai bien une valeur qui a été générée entre 0 et 100. Et je peux faire ça autant de fois que je le souhaite. Je peux diminuer cette échelle, dire que je veux une valeur seulement entre 91,6 et 100. Et dans ce cas-là, encore une fois, la valeur aléatoire qui va être générée à chaque fois va bien être dans cette petite échelle. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. En fait, c'est un petit script editor qui est très sympa parce qu'il permet vraiment d'avoir une visualisation de la valeur minimale et de la valeur maximale par rapport à l'échelle totale qui est possible. Vous avez la possibilité de définir les valeurs minimales et maximales à la volée en utilisant ce petit slider ici. Ou alors, vous pouvez tout à fait remplir les valeurs sur la gauche et sur la droite pour avoir quelque chose de très précis. Comme je vous le disais, on peut faire exactement la même chose, mais pour des nombres entiers. Il suffit d'utiliser le type int. Et dans ce cas-là, on aura toujours une valeur possible entre 0 et 100, ou plutôt une échelle possible entre 0 et 100. Mais ici, ce ne sera que des nombres entiers. On ne peut donc pas saisir. Nombre à virgule. Unity va automatiquement arrondir si on essaye de saisir quelque chose comme ça. Voilà tout pour cette petite extension très sympa qui permet de rendre l'éditeur un petit peu plus joli lorsqu'on utilise des valeurs aléatoires d'une certaine échelle. Il existe des extensions pour un petit peu tout, donc ça c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Vous avez aussi certaines assets dont Odin qui permet vraiment d'afficher énormément de possibilités et de paramètres par rapport à l'inspecteur de base de Unity. Donc si vous voulez aller plus loin, ça pourrait vous intéresser. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Elle était particulièrement courte, mais j'espère qu'elle vous sera quand même utile. J'espère que vous profiterez bien de cette petite extension. On se retrouve très bientôt pour une grosse vidéo. J'ai très hâte de vous la proposer. En attendant, portez-vous bien. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier dont les noms sont affichés sur la droite de l'écran et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne et à très bientôt. Salut